et Jean-François, vous avez écouté la parole de Dieu. Elle nous révèle la grandeur de l'amour humain, du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage, est-ce librement et sans contrainte? Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne, à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Êtes-vous disposé à assumer, ensemble, votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Alors, devant tous ceux qui sont ici rassemblés, je vous invite maintenant à échanger vos consentements. Moi, Jean-François, je te reçois à mon avis comme épouse. Je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, et de t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Amandine, je te reçois Jean-François comme époux. Et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie, et de t'aimer tous les jours de ma vie. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme, qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.